nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 31 décembre. C'est déjà la fin de l'année. Il est 11h15 et je vous prends actuellement de mon lit. Car oui, ma chambre a déménagé. Je suis très contente, je dois le dire. Bon, là, j'ai laissé l'aspirateur parce que je m'attends à devoir repasser l'aspirateur d'ici ce soir. Voilà, ma chambre est installée. Je suis très, très, très contente. Bon, ici, il n'y a pas eu grand changement. On n'a toujours pas défait le sapin. Je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Et ici, il y a eu du changement dans ma cuisine aussi. Alors déjà, mon papa m'a posé les étagères. Ensuite, moi, hier, j'ai fait un gros rangement nettoyage. Voilà, c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, on va devoir aller en course. Là, j'attends les enfants, en fait. Ils sont partis se doucher. Et nous allons partir effectivement au magasin. Faire des courses pour notre repas de ce soir parce que, en fait, je sais pas. Hier, je devais être déconnectée du monde, j'en sais rien. On est parti faire des courses hier. Et c'est une fois rendu sur le parking, puisque, en fait, Eric était avec nous. Il était passé voir les enfants hier soir et comme il devait aller faire les courses, les enfants ont voulu qu'on y aille ensemble. Donc, on a fait chacun son chariot, chacun sa voiture, hein, mais au moins, ils ont pu, dans le magasin, passer de l'un à l'autre ici. Et du coup, sur le parking, je lui dis, bah dis donc, vous faites un repas de fête ce soir. Et là, il me dit, bah non, c'est pour demain. Et là, je me dis, mais pourquoi demain? Et je réalise en fait que demain, donc aujourd'hui, nous sommes le 31. J'avais déjà fait mes courses et il y avait un monde fou dans le magasin, donc j'avais pas du tout envie d'y retourner. Donc je me suis dit, bah tant pis, j'y retournerai demain. Donc là, j'aimerais bien qu'on y aille ce matin, en tout cas pas cet après-midi, ça c'est clair. Parce que je pense que cet après-midi, ça va être pire. Donc là, on va essayer d'y aller ce matin. Donc j'attends que les enfants se préparent et puis on va y aller. Là, moi, je suis prête depuis un moment. Je suis réveillée depuis 9h. Je me suis levée, il était 9h30. Com était là-haut dans mon atelier en train de regarder la télé quand moi, je suis descendue, en fait. Enfin, quand je me suis levée, je veux dire, plutôt, je suis montée pour prendre ma douche, m'habiller, tout ça. Et puis du coup, après, on a pris notre petit-déj. Adam et Marceau, se sont levés. On a tous pris le petit-déj. Et puis là, ils sont partis se doucher. Donc moi, j'ai fait mon petit ménage en attendant. Enfin, ma cuisine était déjà propre. Donc ça, c'était plutôt un bon point. J'ai lancé une lessive. J'ai passé l'aspirateur. Bon, j'ai encore le balai vapeur à passer dans cette pièce. Mais je le ferai cet après-midi. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Mon papa m'a aussi repeint toutes mes toilettes. Il m'a posé... Donc, du coup, c'est tout blanc, mais bien blanc maintenant. Alors, est-ce que c'est la peinture que j'ai achetée chez Action qui est mieux que celle que j'avais achetée avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a passé qu'une seule couche. Donc, franchement, j'étais plutôt contente, quoi. Il m'a même posé une étagère dans les toilettes. Je vais vous montrer. Je vais la repeindre en noir parce que je trouve que en l'état, ça fait pas très joli. Je voudrais que ça tranche, en fait. Voilà. Il m'a posé cette étagère. Donc, je vais la peindre en noir et puis ensuite, je mettrai des décos dessus. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se sentir, je vais pas dire plus chez soi parce que c'est chez moi. Je paye un loyer pour y habiter, donc oui, c'est chez moi. Mais je veux dire que ça me plaise vraiment, que ce soit à mon goût. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est plutôt cool. Donc, il m'a aussi posé un porte-manteau derrière la porte. Alors, c'est pas derrière la porte, c'est sur le mur, en fait, qui est à côté de la porte de la salle de bain, mais du coup, à l'intérieur de la pièce, pour que je puisse accrocher mes serviettes, etc. Puisqu'avant, j'avais un porte-manteau. Mais c'était un porte-manteau, vous savez, qu'on accroche sur le dessus de la porte. Mais bon, il faut toujours avoir un espace conséquent pour pouvoir fermer la porte. Et ce n'était pas mon cas dans la salle de bain. Donc, du coup, je l'avais mis sur la fenêtre, en fait. Donc, c'était très moche. Et puis, même quand je rentre en voiture et qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain, dans la rue, en fait, on voit la porte de ma salle de bain. Et la fenêtre, je veux dire. Et bon, c'est brouillé, hein, on voit pas. Puis, elle est assez haute, donc on voit pas quand il y a quelqu'un dedans. Mais on voyait derrière la fenêtre les trucs qui pendaient. Donc là, au moins, ça fait plus propre. Et même quand on rentre dans la pièce, je me demande même si je vais pas remettre une commode ou un truc... pour ranger les draps, par exemple, qui sont actuellement dans l'armoire de la chambre, je pense que je remettrai une commode, puisque y a carrément la place pour mettre une commode, quoi. Donc, je sais pas. J'hésite, en fait, entre mettre une commode ou alors confectionner
je sais pas comment expliquer, ça ferait comme un banc en bois sous lequel je pourrais ranger mes trois bacs à linge, en fait, et qui permettrait aux enfants de s'asseoir pour enfiler les chaussettes, tout ça. J'hésite à faire ça, en fait, j'aimerais bien. Donc, j'attends pour l'instant, je verrai, mais ouais, c'était pas une mauvaise idée, je trouvais. Donc, à voir. Donc là, ça y est, ma chambre est aménagée. Il faut que je pose mes cadres. J'ai été acheter hier soir du scotch exprès pour poser des tableaux. Il faut que je reçoive ma nouvelle housse de couette, bien sûr. Là, j'ai à peine renvoyé celle que j'avais reçue. Je l'ai renvoyée hier. Et puis, j'ai reçu. Alors, j'ai commandé. On va commencer par là, parce qu'avant de recevoir, il faut passer commande. J'ai commandé sur Vinted. Et c'est ça que j'adore sur Vinted, c'est que j'arrive à trouver des articles dans les trois tailles des gars. Et ça, j'adore. Donc j'ai commandé ce pull. Alors je vais essayer de le placer pour bien vous le montrer. Donc là, je l'ai reçu pour l'instant à la taille de côme. Mais j'ai commandé le même, pardon, pour le cadrage, j'ai commandé le même pour Adam et le même pour Marceau. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur et je ne regrette pas du tout mon achat parce que je le trouve vraiment très beau. J'ai commandé ce sweat. Voilà. Donc là, je viens d'avoir un message là il y a 5 minutes me disant que celui d'Adam est arrivé. Donc c'est très bien. Et celui de Marceau, il n'est pas encore parti, mais c'est pas grave. Et j'en ai commandé un deuxième. Pareil, ils auront tous les trois le même, en bleu marine, en marinière. Donc toujours de marque tape à l'œil. Hein, tout ce que je commande, c'est toujours tape à l'œil. Et là, début janvier, il faut que je regarde aussi pour leur reprendre des jeans parce que, en fait, ils en ont pas assez. Donc, et puis après, ce sera bon. Elsa, comment vous dire? Je pense que je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans le vlog de Noël, mais en fait, ma collègue lui a refait sa garde-robe. Donc, tout va bien. Donc, c'est très bien. Là, du coup, j'ai encore un panier à ranger que j'ai plié tout à l'heure. Et puis, j'attends toujours. Hein. Elsa est sous la douche là. Et ensuite, on va partir faire nos petites courses pour ce soir. Et puis, voilà. Cet après-midi, cet après. Alors, j'avais prévu normalement, pendant ma période de vacances, de mettre sur Vinted tous les articles que j'ai dans ma chambre, enfin dans ma chambre, dans la pièce qui était ma chambre, là-haut. Derrière ma porte, j'ai une montagne de vêtements. Où il faut en fait que je fasse du tri sur ce que je mets à vendre sur Vinted et ce que je mets dans la benne en fait. Donc voilà, bon du coup je vais vous laisser. Je vais partir très prochainement. Je pense là je vais déjà aller ranger mon linge. Et puis je pense que là-haut. Ah non, la machine elle tourne toujours. Je pensais pouvoir descendre mon linge au sèche-linge, mais non. Donc je vais déjà aller ranger celui-là, voir si Marceau a besoin d'aide pour s'habiller. Et puis on va partir faire nos petites courses. Bon, les amis, on vous reprend. Il est 16h12. Et Elsa est en train de pleurer parce que nous démontons le sapin. Voilà. C'était prévu depuis déjà au moins 2 jours. Et ça fait 2 jours qu'on je le dis et qu'on ne le fait pas. Les enfants n'avaient pas très envie. Mais moi, j'aime pas garder le sapin jusqu'au jour de l'an. Voilà, parce que je trouve que Noël, c'est toute la période jusqu'à Noël, mais après Noël, c'est plus Noël. Sauf que là, on est sur de l'eau. Mais justement. C'est plus Noël, c'est le jour de l'an. Ben voilà. Donc là, on va commencer par faire un tri dans la caisse parce que, comme vous pouvez le constater, la caisse de Noël est pleine alors que le sapin n'est pas défait. Il y a comme un malaise. Donc là, on avait mis en route un film de Noël qu'on va regarder en même temps et on va défaire ce sapin et faire du tri dans cette caisse parce que c'est juste pas possible. Voilà. Bon,
l'heure fatidique est arrivée, il est 20h, nous sommes prêts à faire la fête. Tout le monde est en beauté. Même si Marceau vient de poser le pot de Nutella sur sa chemise et qu'il a une tache atroce, on dirait qu'il s'est fait caca dessus. En tout cas, nous, on est tous prêts. On va faire la fête. On avait mis la musique là jusque-là. On a dansé un petit peu. Je vais vous filmer un petit peu. On s'est prévu un petit plateau dînatoire pour la soirée. Ah ben voilà. Eh bien, nous sommes ravis d'être en vidéo, n'est-ce pas? Rallume la lumière, s'il te plaît. Merci. Donc c'est sur ces quelques minutes que nous allons vous souhaiter une dernière bonne soirée d'année 2020. Et une bonne année 2021. Tu t'appelles. Bonne année à tous. Donc on se retrouve demain, n'est-ce pas? Avec la bonne année 2021. Nous sommes le 1er janvier 2021. On vous souhaite une excellente année à tous et toutes. Que cette année puisse vous apporter tout ce que vous souhaiteriez vous-même. L'accomplissement de toutes les choses que vous souhaiteriez accomplir. La fin du Covid. Ouais, la fin du Covid, ça serait bien. À mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais ça serait bien quand même. Donc là, chez nous, il est 10h. Et tard même, bientôt. Marceau, s'il te plaît. 10h15, les enfants sont déjà très en forme. Comme vous le constatez, je ne suis pas maquillée. Alors en fait, moi je suis réveillée depuis 8h30. Sauf que j'ai dû à un moment me rendormir parce que quand j'ai rouvert les yeux, il était 9h30. Donc je n'ai pas compris. Je me suis dit, oh, je reste un petit peu dans mon lit et tout. Et puis en fait, il était 9h30. Donc je me suis levée, je suis allée m'habiller. Je me suis pesée. Grossière erreur. Mince. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai mal au bidon, bidon. C'est Marceau qui a ouvert la porte, nous on l'a pas vu passer. C'est petit. C'est ça qu'on est chez lui. Toutes les boules. Ouais, hier on a fait. On a passé une excellente soirée, hein. On avait prévu des cotillons et tout. T'as fait le montage en fait hier. Du coup, il y a eu Sarbacane. Alors, ce que je vous ai monté, vous avez juste vu la partie où on s'amuse, on met la table, on danse, machin. Ensuite, on s'est posé pour regarder des films. Alors, ça, c'était la partie juste hallucinante de la soirée. Non, non, non. On me dit, mais on avait dit qu'on regardait les films de Noël. Je dis, si vous voulez qu'on regarde des films, on regarde des films, ça ne me dérange pas. Donc, on s'est tous installés dans le canapé. Et le premier à quitter la télé, c'était Co. Bah, parce que j'avais fini de manger. Bah, non, mais dans ce cas-là, tu ne nous demandes pas de regarder un film si tu ne comptes pas le regarder jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai la débilité. Alors, le pire, c'est qu'après ce film, il a demandé pour en mettre un autre. Mais il l'a pas regardé non plus. Ah oui, c'est toi qui as dit après, si on en met un autre et tout. Marceau, il voulait mettre de la musique, il voulait danser. Oui. Et c'est vous les grands qui avez dit, ah si, on met un film, on met un film. Et puis au final, le film, je l'ai fini tout seul avec Elsa. Alors les deux films qu'on a regardés étaient très bien, on a passé une excellente soirée. À minuit, on a sorti les cotillons, machin, les sarbacanes, les sifflets, les chapeaux. Bon, les chapeaux, on les avait sortis depuis le début, les sifflets aussi, bah, les sarbacanes aussi. En fait, il ne restait plus que les rubans et on les a lancés à minuit pile pour souhaiter la bonne année. Ce que j'ai pas regardé dans Tom Miller, moi je l'avais déjà vu. Ouais. Et donc on a passé une très très bonne soirée, on était très contents, on a été se coucher, il était minuit. Non, minuit 56. Oui, il était même une heure moins 18, c'est vrai.
Et voilà, on est très contente de te soirée. On entame cette nouvelle année sur de bonnes bases. Marceau, s'il te plaît. Donc là, on va prendre le petit déj puisque les enfants partent chez leur papa dans à peu près une heure, j'imagine. Je pense qu'il va venir rechercher vers 20. Bon, je vous reprends, il est 11h25. Les enfants viennent de partir, donc là évidemment je suis seule. Je vais aller prendre un petit bain là tout de suite parce que en fait je les ai accompagnés dehors sans manteau, j'ai très très froid. Et en plus je suis sortie en chaussons, mes chaussons sont mouillées. Donc j'ai encore plus froid. Et puis après bah, je vais enchaîner avec le peu de rangement que j'ai à faire, le ménage. En fait je vais repasser un coup de balai quand même là sur le palier dans l'escalier, passer l'aspirateur en bas et puis ranger un petit peu dans la cuisine. Je viens de récupérer tout ça là. Ce sont tous les vêtements que j'avais mis aux enfants quand ils sont partis chez Eric et qu'ils ne m'avaient pas rendu. Voilà. Donc ça faisait un moment que je lui disais, mais il me manque ça, c'est pas normal. Puis il me disait, bah je sais pas, j'ai regardé chez moi, je trouve pas. Bah, je me disais, quand même, c'est étrange quoi. Et puis notamment cette veste qui a été la première à disparaître, cette veste que j'adorais, qui est à Adam, que ma copine Emeline m'avait donnée. Et en fait, je lui avais demandé une fois, il me dit, bah je vais regarder. Pas de nouvelles, je lui redemande une autre fois, il me dit bah faudrait que je regarde mais je crois pas hein. Et puis après il me dit non mais j'ai regardé, je l'ai pas, et là elle réapparaît. Bon après sa compagne ayant des enfants, il est possible que tout ça se soit mélangé, donc bon c'est pas grave. J'ai récupéré celle principale, du coup j'ai récupéré des pantalons aussi, donc là j'allais recommander des pantalons au cas, mais finalement je vais refaire le compte parce que je vais pas en avoir besoin tant que ça. Là je leur ai commandé 2 suites à chacun aux 3 garçons, et puis je pensais leur recommander 2 ou 3 pantalons aussi, mais du coup j'en ai récupéré j'en ai récupéré un qui finalement n'était pas à moi, que j'avais donné à Eric. Je lui redonnerai demain. Je vais essayer de finaliser mon linge là du coup jusqu'à demain, comme ça tout ce que j'ai qui est à lui, parce que du coup comme il m'a ramené les enfants avec des vêtements à lui, forcément les vêtements sont chez moi, donc il faut que je les lave et que je les lui rende. Mais en tout cas là je suis bien contente d'avoir récupéré tout mon linge. Par contre je vais le relaver parce que je ne sais pas avec quoi elle lave son linge, mais je déteste l'odeur. Je saurais même pas dire ce que ça sent. Peut-être qu'elle lave ça avec une lessive fait maison, je sais pas. Je sais pas ce que ça sent, mais j'aime pas l'odeur. Donc je vais relaver tout ça. Comme ça aura mon odeur à moi. Je suis psychopathe, mais je peux le faire. Donc je vais laver tout ça là avant dimanche. Alors déjà, je vais laver tous les vêtements des enfants là avant demain. Comme ça, je pourrai lui rendre tout ce qui ne m'appartient pas. Et puis après, d'ici la fin du week-end, j'aurai terminé de laver la totalité de mon linge. Donc je prévoyais de laver les draps là pendant qu'ils n'étaient pas là, mais je le ferai ce week-end en fait, c'est pas grave. Donc là, je les lancerai peut-être demain matin d'ailleurs. Du coup, enfin ceux d'Elsa, ils sont propres, ils ont été lavés avant-hier, mais elle ne les a utilisés qu'hier. Du coup, à ce niveau-là, je suis tranquille, il me reste la chambre des gars, et moi mes draps, ils sont propres aussi, donc tout va bien. Là aujourd'hui du coup je vais commencer par aller prendre un bain, et en fait le bain je vais essentiellement le prendre parce que j'ai mal au dos, j'ai extrêmement mal au dos, donc je vais aller prendre un bain, pas trop longtemps non plus parce que j'ai quand même des choses à faire, et puis ensuite voilà je vais faire le peu de ménage que j'ai à faire en bas. Ce que je pense qu'il va m'occuper le plus aujourd'hui, ça va être le linge, parce que du coup je vais enchaîner lessive, séchage, et du coup derrière il faudra plus y ranger. Donc à voir, mais je pense que c'est ça qui va me prendre le plus de temps. Mes amis, je vous reprends, il est bientôt 15h. Comment vous dire que je n'ai aucune motivation? Vous l'aurez bien compris. En même temps, c'est le premier de l'an. Ouais. J'ai pris un bain pendant 3 plombes. Et en fait, j'ai mal au crâne. Je pense que j'ai pas assez dormi. Excusez-moi, je baille. J'ai pas assez dormi parce que, en fait, ce matin, j'étais dans le stress de me dire que Eric devait venir chercher les enfants et qu'il fallait que tout le monde soit prêt. Et c'est vrai que, bah, du coup, à 8h30, j'étais réveillée alors qu'on s'est couché à 1h du matin, quoi. Bon, soit vous allez me dire, t'as dormi 1h, t'as dormi 7h. Non, j'ai pas dormi 7h parce qu'il faut savoir que quand je me couche, je m'endors qu'une heure après.
Donc, me concernant, j'ai dû m'endormir vers 2 heures. Donc, j'ai dormi 6 heures, mais il semblerait que ce soit pas suffisant. Donc, j'avoue que je suis un peu deg d'être dans cet état-là. Enfin, j'aime pas. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais une sieste? Est-ce que... Je pense que ça va être ça le programme. Même si je dors que 20 minutes, si ça pouvait m'enlever ce mal de tête. Je pense que je vais me mettre un petit film de Noël. Là, je vais rester allongée dans le canapé. Essayer de dormir un peu. Et puis après, j'irai chercher mes tissus là-haut que je viendrai découper ici. Et puis ensuite, je monterai. De toute façon, j'ai la télé là-haut aussi. Donc, je pourrais me mettre un autre film de Noël pendant que je travaille. C'est pas du tout un souci. C'est juste que là, mon mal de crâne, en fait. Je vais voir si le fait de me reposer un peu me fait du bien. Si c'est pas le cas, je prendrai un Doliprane. Et puis on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je vais me reposer un petit peu. Bon, mes amis, je vous reprends. Il est 18 h. J'ai toujours autant mal à la tête. En fait, je crois que j'ai pas juste un mal de tête. J'ai une bonne migraine. Donc c'est pas hyper commode. J'ai essayé de rester allongée toute l'après-midi. En vain. Là, je suis allée, j'ai mis mon linge au sèche-linge, j'ai relancé une lessive et du coup, bah, je vais me mettre un petit peu au boulot. J'ai pas tout pris en fait, mais je vais commencer à travailler sur la commande qui m'a été passée, sur la commande de Christine. Enfin, je vais pas commencer, je vais traiter la commande de Christine. Après, je suis pas pressée d'aller me coucher ce soir, même si j'avoue, je me dis que pour une fois que je suis toute seule, il faudrait que j'en profite. Mais en même temps, Eric m'a dit 11 h demain pour récupérer les enfants. Alors même si je me lève à 10 h, même si je prends pas de petit-déj, j'ai une demi-heure pour prendre ma douche et partir, ça ira. Donc, c'est pas très grave. Donc là, je vais reprendre le mail que m'avait envoyé Christine avec les caractéristiques de la trousse qu'elle veut pour ses crochets. Et puis, je vais me mettre sur le patron. Là, j'avoue qu'avec la migraine, j'ai pas hyper envie de manger. J'aurais plus tendance à avoir la nausée. C'est pas terrible. Je me dis heureusement que les enfants n'étaient pas là parce que j'aime pas être dans cet état-là quand les enfants sont là. C'est très désagréable pour moi et bah là, pour le coup, j'ai pu rester tranquille. J'avais pas trop de bruit autour, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu difficile. Enfin bref, je vois ma chambre là-bas. J'aime voir ma chambre là-bas. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais j'ai trouvé une solution pour mettre. Si je vous l'ai dit, je sais. Je crois que je vous l'ai dit. J'ai trouvé chez Castorama, ils font des cloisons amovibles qui sont montées sur des petits pieds. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Un peu comme, vous savez, sous les frigos, les lave-linges, etc. Vous avez des vis réglables en fait pour stabiliser. Et ben là, c'est le même principe. Il y a des vis sur le plafond, un peu comme les barrières de sécurité qu'on met pour les enfants. Vous avez les vis. Plus vous dévissez, plus ça pousse sur les murs et du coup ça fixe. Ben là, ça va être pareil, mais sur le plafond, sur le sol. Donc, si je peux avoir ça, ce serait parfait. Ça ne créera pas une porte puisqu'il n'y aura pas de porte, mais enfin, bien qu'a priori, une des deux peut être utilisée comme, enfin, si on en avec un pan comme ça, on peut faire une porte en fait. Alors, il faudrait que je demande conseil, pardon, chez Casto, mais je vois pas comment on peut faire. D'autant qu'il n'y a pas de poignée, donc c'est un peu bizarre. Enfin bref, on verra bien. Bon, bah, c'est parti. Je m'attelle à la tâche et puis je vous reprendrai plus tard dans la soirée. Avant demain, j'espère ne pas oublier de clôturer ce soir parce que demain je revlogue. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 22 h 30. Je suis dans mon lit. Je vais aller me coucher. Très vite. J'ai attrapé un méga bouton ici. Je ne sais pas ce que c'est. Moi qui n'ai jamais de bouton. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Bref. Du coup, bah, j'ai pas fini de bosser. Parce qu'en fait, j'ai reçu plein d'appels téléphoniques. Tout le monde qui appelle pour souhaiter la bonne année. Voilà. J'ai ma copine Béa qui m'a appelée. J'ai ma copine Aurore. Il y a ma maman. Il y a les enfants qui m'ont appelée ce soir. Je ne m'attendais pas du tout, honnêtement, à ce que les enfants m'appellent puisqu'ils sont partis que ce matin pour rentrer demain matin. Donc, mais si, a priori, je leur manquais. Donc, j'ai hâte d'aller les chercher. Donc là, il est 22 h 30. J'ai toujours la migraine. Je n'ai pas pris de médicaments parce que là, en fait, il y a 2 minutes, j'étais allongée dans mon lit et ça me faisait du bien.
Donc, je pense que je ne vais pas prendre de médicaments. Je vais juste, juste m'allonger. Et puis attendre que le soleil m'emporte. Toujours un peu compliqué. Du coup, bah, j'ai un petit peu travaillé, mais pas autant que j'aurais voulu, hein, puisque forcément, avec tous ces appels téléphoniques, j'ai pas hyper avancé, je dois dire. Mais bon, ça devrait le faire normalement. J'ai prévenu, du coup, j'en ai parlé avec Elsa au téléphone tout à l'heure. Je lui ai dit que j'avais pas fini, donc il faudra que je finisse demain. Demain, normalement, j'étais censée aller à la déchetterie. Voilà. Ben, ça sera samedi prochain. Je pense. Parce que demain matin, je rappelle tout. Là, je me mets pas de réveil. Hein. Je me dis que je me lève quand je me lève. Je vais modifier mon programme de sommeil, là. Je me lève quand je me lève. Enfin, si, je vais quand même me mettre un réveil à 10h. Parce que je me dis, si je suis pas réveillée à 10h, c'est les boules. Mais de toute façon, il fait hyper jour dans la pièce dès 8h. Donc, je pense que je serai réveillée de bonne heure. Mais je me mets pas la pression, en tout cas. Donc, voilà. Du coup, pardon. Du coup, j'ai quand même relancé une lessive, été mettre du linge à sécher, etc. Donc, j'ai pu constater que mes paniers sont vides. Donc, demain, je vais pouvoir faire les draps des enfants, faire tout ce qui va être serviette de toilette, etc. Et puis, faire le tour des chambres parce qu'il y a toujours du linge de caché dans des coins. Et puis, normalement, je serai à jour avant de reprendre lundi. La cuisine est propre. Là, j'ai quelques petites choses à ramasser de ma soirée que j'ai un peu laissé traîner. Et puis, je ferai ça demain matin, du coup. Et puis, comme ça, ce sera fait. Et puis, voilà. Hein. Après, j'irai chercher les enfants. On rentrera. On fera notre vie, quoi. Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser maintenant. Je montrerai ce vlog demain matin, je pense, si je me réveille suffisamment tôt. Sinon, ce sera demain midi. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une bonne année. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et pour vous, ce sera jeudi, du coup. Je vous souhaite un très beau week-end à tout le monde, une bonne fin de semaine. Ciao !